C'est pas juste maintenant, non seulement on ne te donne pas de travail si tu es arabe, mais en plus on te dit. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si tu trouves pas de travail, t'as besoin d'un psy. Si tu trouves pas de travail, tu as besoin d'un psy. C'est comme ça on vient te voir, toi. On dit, si tu toi, là, si tu ne trouves pas de travail, tu as besoin d'un psy. Si on te dit, tu as besoin d'un psy, ils ont forcément raison. Ce sont eux les plus nombreux. Principe élémentaire, mon cher Ecclésiaste. Je crois que c'est ma femme qui va pas être contente. Oui, monsieur. Non, autant pour moi, c'est pas mes personnages. Qu'est-ce qu'on est bien. Pff, ah, on est bien. Principe élémentaire. Tout pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Quand je pense qu'il suffisait qu'il n'y ait pas eu cette pute de colonisation au siècle précédent, là-bas, pour que le problème ne soit pas posé ici. Mais c'est qui ce con? Que n'a eu l'idée? Non, je m'énerve pas, Aïcha, j'explique aux gens. De toute façon, je n'ai pas le droit d'être ce que je suis et d'avoir toute ma tête que je m'appelle hey. La source de tous mes problèmes. Descartes ne s'applique pas à tout le monde, vous savez. Attendez, je pense, donc je suis. Jusque-là, ça va. Je pense, donc je suis. Et là, ça va pas du tout. Je pense, donc je suis. Mon cœur, je suis bien à la tutoyer, je lui ai dit. Si tu veux, madame. Comme ça se prononce. Si tu veux, madame. Et si tu as besoin de faire connaissance, rapprocher, approfondir tout ça avec moi. Ah, s'il te plaît, pour mieux me soigner tout ça, on peut faire plein de choses. On peut, pour commencer, on peut prendre un bon billet. Chez toi. Ah, s'il te plaît, même chez moi, salope, tu regretteras pas le voyage, je te jure, je vais t'appeler de la salle. Je lui ai dit, vous étiez là? Je lui ai dit, yes! Ça s'est fait. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien, qu'elle était emballée. J'ai dit, attends, j'ai rien fait encore. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien, mais qu'elle n'était pas folle. J'ai dit, c'est extraordinaire. Quelle coïncidence. Moi non plus, je suis pas. Folle. C'est injuste. Les psy aujourd'hui étaient les piètres cancres de la classe au collège et au lycée. Sans déconner, ils sont prétentieux de ma part. Loin de moi. Et maintenant, il nous soigne. Le monde est malade. Le monde est fou. Et leurs petits copains, les avocats. Oh. Ils nous gouvernent. C'est pire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le monde est fou. Après, je suis revenu à l'impu, je leur ai dit. Qu'est-ce que je leur ai dit? Ah oui, je leur ai dit. Salut. Après, je me suis dit, c'est peut-être con, c'est peut-être dégueulasse, c'est injuste, mais qu'est-ce que c'est drôle? Alors qu'on c'est drôle, on n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on rigole, bordel? Après, je me suis dit, il va bien falloir que je me recycle. Que je me cycle exactement, j'ai pas encore servi. Donc, autant faire quelque chose qu'on aime bien. Pour nous, pour aller plus vite, efficacement, pour nous, c'est le sport. Nous, c'est. Nous, alors nous, c'est. Le sport et le. Partie de cuir. Alors, commençons par le sport. Le sport, autant faire quelque chose qu'on est bien. Le foot, j'adore le foot. C'est comme Union 98, Black Bomber, enfin bref. C'est génial, ça. J'aimerais bien faire du foot. Il y a juste un petit détail.
Zidane, avec une grand-mère, avec une grande-mère, aurait pu être mon fils. Il a déjà raccroché. C'est fini pour le foot. Ah oui, mais attends, la boxe, j'adore la boxe. Voilà, j'ai des tonnes de coups à rendre. Ça, j'adorais faire la boxe. Ça, franchement, ça fait longtemps que j'adore ça. Il y a juste un petit détail. Tyson, avec une mère noire, aurait pu être mon fils. Il a déjà raccroché. Je vais garder mes coups. Excusez-moi. Je fais le deuil de la boxe. Ah, attends, l'athlétisme. L'athlétisme, c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Pour nous, c'est le demi-fond. On n'a pas de fond, hein, sinon ça serait. Mais le demi-fond, c'est nous. C'est nous, donc je vais faire l'athlétisme. Ça, j'adore courir comme un con. Ça va pas changer. Bah, alors, ça, j'adorerais bien faire. Il y a juste un petit détail. Et Chamel Gerouche avait une mère morte, il aurait pu être mon fils. Il a déjà raccroché. Excusez-moi, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, bah il reste le... Attendez que... le spectacle, si vous préférez. Alors le spectacle, ça j'adore le spectacle. C'est pour nous le spectacle. Je suis un spectacle vivant. Vivant, surtout vivant. Alors, donc je vais vous donner un aperçu, parce que j'ai tellement de conneries à vous dire, à vous raconter. Je me suis entraîné, vous savez, ça 20 ans, ça. Il y a beaucoup de... Bon, alors, je vais vous donner un aperçu, un petit échantillon sur mes talents. Vous allez voir.